la louange et la gloire, la majesté, la puissance, l'honneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta bonté. Merci pour ta puissance. Merci pour ta vérité, pour ta sainteté. Merci pour ta gloire. Merci pour ce que tu fais ce matin parmi nous. Merci pour tes prodiges, tes miracles. Merci pour les délivrances. Nous te bénissons, notre Dieu. À toi soit la gloire. 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 Tu es béni, notre Dieu. Tu mérites la louange. Tu es béni, notre roi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Lève la voix et prie pour la parole de Dieu que tu vas écouter ce matin. Demande au Seigneur de te bénir par sa parole, de t'enseigner, de t'éclairer, de t'instruire, de te parler, de t'apporter tout ce qui est nécessaire. Je demande à Dieu de t'enseigner, de t'éclairer, de t'instruire, de te parler, de t'apporter tout ce qui est nécessaire. Amen. Là pour que tu sois béni.
Est-ce que toi-même tu es prêt pour ta bénédiction? Je suis prêt. Est-ce que toi tu es prêt pour ta bénédiction? Non, je te pose encore la même question. Est-ce que tu es prêt pour ta bénédiction? Je suis prêt. Ce que j'ai demandé au Seigneur, c'est que la bénédiction que tu vas recevoir ici ce matin, ça va rester en toi, ça va demeurer et ça sera un témoignage. Quand je dis providence divine et providence divine et providence divine, amen. Sois-toi dans ta bénédiction. Sois couvert de ta bénédiction. Sois environné de ta bénédiction. Quand je regarde tes pieds sont dans la bénédiction. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ça ouvre la tête, ça découvre environnement. La bénédiction t'envahit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois. La plupart de mes bons commandos sont pas là. C'est les fleques qui sont restés. Un esprit qui me chasse. Le thème de ce matin, c'est le mystère du figuier. Ah oui? J'ai dit, c'est quoi? Le mystère du figuier. C'est avec moi, le mystère du figuier. Le mystère du figuier. Nous allons prendre Luc chapitre 19. Luc, il y a quoi, il y a pour nous quoi? Verset 1 à 10. Son coin, il y a tout blanc. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. » Amen. 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 Jésus lui dit, « Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Il dit, celui-ci est aussi qui? Un fils. Il parlait des hommes, pardon, seulement il ne parlait pas des femmes. Il a dit quoi? Celui-ci est aussi un fils. Il a dit quoi? Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Il dit, semblait Simon, c'est aussi un fils d'Abraham. Dis ton nom, il dit, semble Simon est aussi un fils d'Abraham. Amen. Quand Jésus dit ça, ça veut dire qu'il y a combien de fils et de filles? Il y en a plusieurs, des milliers, des millions. Mais parmi eux, il y en a qui est spécial. Et pour qui ce jour-là était spécial. Et qui devait être repositionné là où il fallait. Le plan de Dieu pour lui devait se rétablir. Les gens le regardaient comme Zachée, fils de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qu'on ne connaît même pas le nom. Mais il avait un autre père, depuis le ciel, un père qui a baigné dans la grandeur, qui était un repère, une référence. Et Jésus le repositionne. Il dit celui-là, lui aussi, vous ne le voyez pas comme quelqu'un d'important, mais il est aussi un fils d'Abraham. Il dit qu'il est fils d'Abraham. Zachée avait son père naturel, biologique. Souvent, par le fait de nos pères naturels, biologiques,
Nous avons été la cible, l'attaque des malédictions des démons. Pourquoi Jésus ne dit pas qu'il est le fils de Moïse, il est le fils d'Isaac, de Jacob, et puis qu'il est le fils d'Abraham? Parce que Abraham est le père de la foi. Tu as la foi ce matin. Attends-toi à recevoir les mêmes bénédictions que Abraham. Attends-toi à recevoir les mêmes bénédictions que Abraham. Celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Yes. Quand tu lis l'histoire d'Abraham, c'est l'histoire de quelqu'un. Quand on ne pouvait rien faire. Lui-même ne pouvait rien faire. Sa famille ne pouvait rien faire. Il avait tout, mais il n'était pas épanoui, il n'était pas heureux. La seule chose qui lui manquait, c'est la seule chose par rapport à laquelle il ne pouvait rien faire. Ce que l'argent ne lui a pas donné, ce que l'on ne lui a pas donné, ce que sa famille ne lui a pas donné, ce que lui-même n'a pas pu avoir. Celui-ci est aussi un fils et une fille d'Abraham. Parce que Dieu va faire pour toi ce matin, ici à la cité du possible, ce que tu n'as jamais vu, ce que tu n'as jamais pu faire. Si tu n'as pas dit, je me sois. Alléluia. Le thème de mon message, c'est le mystère. Yes. Le mystère du sycomore. Le mystère du sycomore. Ta façon de parler là, ça tue mon onction. Dis avec autorité. Le mystère du sycomore. Maintenant, faut dire avec folie. Je le mystère du sycomore. Alléluia. Un mystère, c'est un secret. C'est une vérité cachée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir en même temps comme ça. Il faut fouiller pour voir. Et on dit sycomore. En fait, un sycomore, c'est un arbre. Dans la Bible, à plusieurs reprises, on a parlé du sycomore. Depuis l'Ancien Testament. Mais ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de m'appuyer sur une histoire précise. L'histoire des Zachée. Que je sais que vous connaissez tous. Mais dans cette histoire, Dieu m'a orienté vers un arbre. Et c'est de cet arbre-là que je veux le plus parler. Jésus arrive à Jéricho. Jésus arrive où? À Jéricho. Comme il est venu ce matin ici à Crème. La Bible dit Jésus passait. Est-ce qu'on dit qu'il partait chez Zachée? Non. Non, je te demande. On a dit qu'il partait chez Zachée. Non. Est-ce qu'on a dit où il partait même? Non. On dit il passait. On dit il quoi? Passait. Ça veut dire qu'il ne s'occupait pas de quelqu'un. Il n'avait pas de rendez-vous avec quelqu'un. Quand Jésus est arrivé là-bas, il y a eu quelqu'un qui a manifesté la violence spirituelle. S'appelle Bartimée. Quand Jésus passait, il y avait plusieurs aveugles qui étaient là. Il y en avait deux qui ont commencé à crier. Il y a un qui a crié le plus. Lui, il était aveugle, mais il était mendiant. Lui, il a saisi son miracle. Et Jésus l'a guéri. Et Jésus continuait son chemin. Pendant qu'il évoluait, tous ceux qui ont vu le miracle, ils ont commencé à suivre Jésus. C'est dans cet élan-là que le Seigneur a donné un enseignement. Et puis il a dit, pour être sauvé, c'est pas facile. Et puis les disciples ont dit, comment les riches vont faire pour être sauvés? Et là, ils ont conclu en même temps. Ils ont dit, c'est pas possible. Et Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes. Yes. Il dit, ce qui est impossible aux hommes. Ce qui est impossible aux politiciens. Oh. Ce qui est impossible à l'armée. Ce qui est impossible au roi. Ce qui est impossible aux nations.